le traitement, l'indication, c'est en fonction en fait de la complication qui est apparue en cours d'évolution. Maintenant, pour le fond, il faut prendre des notes. Pour la définition, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, ouais, si vous avez dit que c'est une maladie qui est très contagieuse, la rougeole, ça, je pense que vous l'avez fait ressortir. Maintenant, c'est plutôt l'épidémiologie qui a manqué. Et à votre niveau, en tant que DES, il faut toujours penser à ça. Vous devez toujours faire une revue de la littérature pour sortir les dernières statistiques sur le plan de l'épidémiologie pour que vous sachiez au moins sur le plan vaccinal et autres où on est, où est-ce qu'on a atteint, est-ce que la couverture vaccinale a été atteinte pour nos pays à ressources limitées ou pas. Donc, je vais vous en citer quelques que vous devez insérer dans le cours. Ça, c'est plus pour votre, bon, c'est pour une revue de la littérature. Donc, vous devez dire que c'est l'une, il faut savoir que c'est l'une des principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans les pays à ressources limitées. Ça, vous devez le mettre dans le cours. L'autre point aussi, c'est qu'il est endémique dans les zones où les taux de vaccination sont faibles, c'est-à-dire dans nos pays. Dans nos pays à ressources limitées, la rougeole est encore endémique parce que le taux de vaccination n'a pas encore été atteint. Il est toujours faible. En dehors de ça, dans nos pays à ressources limitées aussi, on n'a pas de réelles statistiques parce que soit la surveillance n'est pas faite correctement ou bien il y a une sous-déclaration probable qui peut être à l'origine du fait qu'on n'ait pas de statistiques fiables dans nos pays à ressources limitées. L'autre point, il faut savoir, vous devez mettre aussi dans le cours que avant qu'on ait introduit le vaccin contre la rougeole, il y avait plus de 2 millions de décès chaque année dû à cette rougeole-là. Donc, c'est pour dire qu'il y avait une importante part de mortalité. C'est pour ça qu'on dit que ça fait partie des principales causes de mortalité avant l'âge de 5 ans, durant la période infantile. Maintenant, l'introduction du vaccin, ça a manqué dans le cours. Vous aurez dû dire à quel moment le vaccin contre la rougeole a été introduit parce que c'est un point important qu'on prend en charge dans le PEV. Donc, ça a été introduit en 1960. Et immédiatement, ça a eu une nette réduction de l'incidence de la maladie avec diminution du taux de mortalité. Voilà, donc ça, c'est important. Maintenant, pour l'adoption par l'OMS, ça a été fait en 2000. C'est en 2000 que l'OMS a adopté la vision et la stratégie mondiale de vaccination, l'OMS et l'UNICEF. Et au départ, c'est 47 pays qui l'avaient identifié. Et dans ces pays-là, il y avait 98% de décès dus à la rougeole. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit en 2000 ce programme de vaccination combiné qui associe la rougeole et la rubéole. Et jusqu'à présent, cette rougeole n'a pas encore été éradiquée dans beaucoup de pays. C'est pour ça qu'au départ, on l'avait arrêtée à l'horizon 2012 pour voir s'il va y avoir une éradication ou pas. Et maintenant, vu qu'on se rend compte qu'il y a toujours une incidence encore élevée de la rougeole, ils l'ont amenée à l'horizon 2030. Donc ça doit sortir. Et qu'avant, il était donné en une dose. Maintenant, on a inclus la deuxième dose à 15 mois. Ça, c'est à l'an 2000. C'est en l'an 2000 qu'on a inclus la deuxième dose. C'est-à-dire le prendre à 9 mois et ensuite à 15 mois. Sinon, avant, c'était juste une dose à 9 mois. Ça, c'est important, vous devez le dire. Ce critère-là, qu'on sache que c'est à partir de 2000 qu'on a introduit la deuxième dose à 15 mois. Maintenant, si on vient au mode de transmission, je pense que vous l'avez dit, c'est par voie aérienne et par contact interhumain. Soit manuporté, objet ou surface contaminée. Et il faut savoir que lorsqu'il y a une personne qui est exposée à la rougeole, si c'est une personne sensible, il y a 90% de malchance qu'il soit contaminé. Maintenant, pour le rôle de l'immunité protectrice, il y a cette donnée que vous n'avez pas fait ressortir. Il y a une différence entre l'immunité qui est conférée par la vaccination et l'immunité qui est conférée lorsqu'on contracte naturellement l'infection. Donc, lorsqu'on contracte naturellement l'infection, c'est ça qui confère plus une immunité à vie. Donc, il faut savoir que le vaccin ne protège pas à 100%. Parce que lorsqu'on a fait des études comparatives, on s'est rendu compte que les nouveau-nés, les enfants
qui sont nés de mères qui ont été vaccinées contre la rougeole, eux, ils avaient des taux, des concentrations plus faibles d'anticorps maternels qu'ils ont reçus par voie transplacentaire et qu'ils perdaient plus tôt ces anticorps à un âge précoce par rapport à des enfants qui sont nés de mères qui, elles, ont été immunisées par contraction même de la rougeole. Donc, il y a une différence entre les deux. Donc, les enfants qui sont nés de mères qui ont contracté la rougeole, eux, ils ont une immunité à vie par rapport aux enfants qui sont nés de mères qui ont été vaccinés parce qu'ils perdent très tôt les anticorps. Maintenant, pour les facteurs de risque aussi, il faut l'ajouter dans le cours. Ça a manqué. L'immunodépression. En fait, vous les avez mis dans les complications, mais il faut savoir que c'est des facteurs de risque. L'immunodépression. Les immunodéprimés sont plus susceptibles de contracter la rougeole. La vitaminose A, la malnutrition et la période néonatale, les nouveau-nés. Donc, ce sont les quatre facteurs de risque. Immunodépression, carence en vitamine A, malnutrition, nouveau-né. Donc, il faut insérer ces notes parce que lors de l'examen, on peut te donner des QCM en dehors des cas cliniques. Donc, pour le diagnostic positif, pour la phase d'incubation, c'est bon. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Pour la phase prodromique également, avec fièvre, malaise, conjonctivite, coryza, il n'y a pas de souci. Mais ce qui a manqué dans la présentation au niveau de la phase d'état, c'est la description des taches de coplique. Parce que vous, quand vous en aviez parlé des signes de coplique, vous avez juste dit que ce sont des élévations blanchâtres. Elles ne sont pas uniquement blanchâtres. Donc, il faut faire une meilleure description sémiologique. Donc, ce sont des élévations blanchâtres, grisâtres ou bleuâtres de 1 à 3 mm de diamètre avec une base érythémateuse. Et où est-ce qu'on l'observe? On l'observe sur la muqueuse buccale qui est immédiatement en regard des molaires. Donc, il faut préciser aussi le siège. Et il faut savoir que ça peut se généraliser et recouvrir toute la muqueuse buccale et labiale et parfois même le palais dur et mou. Et comme comparaison, on dit que ça donne l'aspect de grains de sel sur fond rouge. Donc, il faut faire une meilleure description des signes de coplique. Pour l'exanthème, vous en avez parlé, mais vous avez eu juste du mal à décrire en fait l'évolution. L'installation en fait de l'éruption cutanée, c'est important. Il s'installe dans le sens céphalo-caudal. Vous avez dit haut vers le bas, mais il faut utiliser des termes médicaux. Donc, l'installation est céphalo-caudale et vers la périphérie. Donc, c'est du haut vers le bas et du centre vers la périphérie. C'est comme ça que ça s'installe. Donc, ce sont des éruptions qui sont érythémateuses, maculopapuleuses, comme vous l'avez dit. Donc, parfois, il peut y avoir également des pétéchies. Et l'autre point, en dehors de l'intervalle de peau saine pour lequel on vous a fait la remarque, mais je pense que vous en avez parlé, c'est également le fait que dans 99% des cas, il y a la zone palmoplantaire est épargnée. Donc, ce point doit sortir. En général, les paumes et la plante des pieds sont indemnes. Il n'y a pas d'éruption à ce niveau-là. Bon, pour les autres signes, il n'y a pas de souci. Pour l'amélioration clinique aussi, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour les complications aussi, vous les avez bien décrites et vous avez donné, cité toutes les complications sur les plans gastro-intestinal, pulmonaire, neurologique. Et autres. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau. Pour le bilan d'orientation également, pour le bilan de certitude, pour la sérologie, vous avez dit que c'est la présence d'IgM permet de confirmer le diagnostic. Mais ce n'est pas uniquement la présence d'IgM. Vous pouvez avoir des IgM négatifs, mais si vous avez une augmentation significative et progressive des taux d'anticorps IgG sur deux titrages séparés d'au moins 2 semaines, 15 jours, ça vous permet également de retenir le diagnostic d'une infection active à rougeole. Sinon, comme vous l'avez dit, l'autre moyen pour isoler le germe, c'est la culture ou bien faire la détection de l'ARN viral par PCR. Le diagnostic différentiel aussi, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour le traitement, il faut spécifier, ça vous devez le dire, qu'il n'existe pas de traitement viral spécifique pour le traitement de la rougeole. Ce terme doit ressortir. Donc, pour les soins de soutien, il n'y a pas de souci. Les antipyrétiques, il faut préciser que c'est toujours le paracétamol qu'on utilise. On évite les AINS chez ces malades-là pour éviter le syndrome de Ray. Bien hydraté, antibiotiques si surinfection.
Pour la supplémentation en vitamine A, vous avez